Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat-revente sur la chaîne. Donc aujourd'hui, ça sera le premier épisode du road to Daniel Vestotti. Donc voilà, vous avez été nombreux à me proposer des joueurs dans les commentaires. Il y a eu du Griezmann Tots, il y a eu du Thiago Silva Totti. Bref, moi j'ai voulu terminer ma Liga BBVA en faisant un road to Daniel Vestotti. Après cette série d'achat-revente, je pense vraiment les gars, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que je vais faire un road to Di Maria Tots. Parce que cette carte, les gars, elle me donne vraiment trop envie. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me lâcher le max de likes comme d'habitude. Donc voilà, les gars, on est parti. Vous pouvez voir la carte de Dani Alves, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est le Totti pour moi le plus complet du jeu. Sa stat minimum est à 80 tirs. Sinon, il a un très beau 92 de général. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Dans cette vidéo, on va commencer par faire de la tech bronze. J'ai pris une base de 5000 crédits. Donc voilà, et regardez, là il va se passer quelque chose les gars. Je vais ouvrir le premier pack pour la tech bronze. Et regardez, je touche un boost de la semaine. Donc c'est franchement incroyable. Ça m'est jamais arrivé sur ce fut. Et voilà, c'est incroyable, c'est le premier pack que j'ouvre sur ce compte et je touche un boost de la semaine. Donc voilà, ça va franchement nous faire avancer très rapidement. Voilà, par chance, on va avancer plus vite que prévu dans ce retour Daniel Vestotti. Et regardez, là, à ce moment-là du marché, heureusement, les gars, que je l'ai packé au tout début de la tote. Parce que si je l'avais packé 2 heures après, bah, il aurait valu que 6000 crédits alors que j'ai réussi à le vendre beaucoup plus cher. Donc voilà la tech bronze, hein, j'ai mis dans la description la vidéo explicative de cette technique. C'est tout simple, vous allez dans la boutique, vous ouvrez un pack à 400 crédits, vous relistez les joueurs, la forme et les soins et les formes équipes aussi qui valent très cher. Vous pouvez faire vraiment de très bonnes affaires. Donc voilà. Franchement, on commence que sur de la tech bronze. Je vais pas faire d'autres techniques dans cette vidéo. Donc voilà, on arrive à 11 ventes et à 27 000 crédits. J'ai réussi à vendre le boost à 26 250 crédits, alors que 2 heures après, il valait 6 000 crédits. Donc j'ai fait franchement une très bonne affaire de l'avoir packé juste après que la tote soit sortie. Donc ensuite on arrive à 30 ventes et à 29 000 crédits. Donc voilà, on a fait vraiment pas mal de ventes en tech bronze. Tout ça je l'ai fait en 4 ou 5 relances, pas plus. Franchement c'est une tech qui marche très bien avec la tote, même si là c'est la fin. Ça marche très bien parce que les joueurs veulent se transférer les crédits et achètent vos joueurs que vous allez lister sur le marché pour les transférer. Donc voilà, là on arrive à 18 ventes et à 31 000 crédits. Donc on a fait 18 ventes de tech bronze une nouvelle fois. Donc voilà, on a fait que des joueurs en tech bronze. On reliste tout ça, on a racheté des packs et on reliste. C'est à peu près... c'est tout le temps la même chose. Donc je le répète, je vous ai mis la vidéo explicative de cette technique dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, là on arrive à je ne sais pas combien de ventes parce qu'il n'y a pas marqué, c'est sur l'API web. En tout cas, on arrive à 35 000 crédits. Et ensuite on arrive à 41 ventes et à 41 000 crédits. Et c'est là que va se clôturer le premier épisode de ce road to Daniel Vestotti. On aura fait vraiment pas mal de ventes et un très bon bénéf. Le fait d'avoir packé le boost, hein, c'est vrai que ça nous aura aidé à avoir une base de crédit. Dans le prochain épisode, on s'attaquera à la fuite millionnaire, je pense. Donc voilà les gars, dans cette vidéo, on aura fait un bénéfice de 36 000 crédits. J'espère que ce premier épisode du road to Daniel Vestotti vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher le max de likes comme d'habitude. Je vais envoyer cette vidéo à la communauté fuite, donc en espérant qu'ils m'uploadent la vidéo. Je vous dis à la prochaine les gars pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao.